Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sissi qui a examiné les efforts déployés par l'autorité des projets, des services nationaux, des forces armées dans le domaine de la localisation de l'industrie en collaboration avec le secteur privé. Et ce, lors d'une réunion avec le chef de l'autorité des projets de services nationaux des forces armées, le général Walid Aboulmagd. Le président al-Sissi a enjoint de créer un complexe industriel pour la participation du polyéthylène pour satisfaire les besoins du marché local et pour réduire la facture de l'importation. Le chef de l'État a passé en revue les détails du complexe industriel le plus grand de son genre au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sissi a tenu une réunion avec le chef de l'autorité du génie militaire, le général Hichem Essouefi, et un nombre de hauts responsables des forces armées. Le président el-Sissi a passé en revue, lors de cette réunion, les derniers développements des projets de bonification des terrains dans le sud de la vallée de Toshka. Une autre réunion du président Abdel Fattah el-Sissi avec le chef de l'autorité des projets, des services nationaux, des forces armées, le général Walid Aboulmagd, a été élargie pour regrouper le chef de la compagnie nationale de construction, le général Karam Selim. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sissi a tenu une réunion avec le chef de l'autorité du génie militaire, le général Hichem Essouefi, et un nombre de hauts responsables des forces armées. Le président a passé en revue lors de cette réunion les derniers développements des projets de bonification des terrains dans le sud de la vallée de Toshka. Le chef de l'État a examiné aussi la modernisation des routes menant au sud de la vallée de Toshka. Le président el-Sissi a donné ses directives de mettre en place un mécanisme de coopération et de coordination entre les différentes autorités gouvernementales concernées en vue d'élargir la superficie des terrains agricoles à Toshka et d'y développer le système d'irrigation. Une autre réunion du président Abdel Fattah el-Sissi avec le chef de l'autorité des projets des services nationaux des forces armées, le général Walid Aboulmagd, a été élargie pour regrouper le chef de la compagnie nationale de construction, le général Karam Selim. La rencontre a été centrée sur les projets exécutifs par l'autorité des projets des services nationaux des forces armées. Le chef de l'État a donné ses directives lors de cette réunion de développer intégralement la région de Sharq al-Thorbain et de la transformer en une cité amie de l'environnement pour la fabrication du marbre et du granit. Le président al-Sissi a appelé aussi à se débarrasser des déchets solides d'une manière scientifique saine et ce dans le cadre des efforts déployés par l'État en vue de développer l'industrie locale et de réduire la pollution. Le chef de l'État a appelé aussi à accorder une attention particulière à l'augmentation de l'efficacité des infrastructures dans cette région en vue de développer les différents services. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie. Dr Raouf Ghaffar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Raouf Ghaffar, le président al-Sissi a passé en revue les derniers développements des projets de bonification des terres dans le sud de la vallée de Toshka. On aimerait en savoir plus sur les terrains bonifiés et sur les terrains susceptibles d'être cultivés dans la vallée de Toshka. Bon, le président al-Sissi dernièrement a donné une importance extrême à Toshka en général. Et il a donné des directives très précises pour augmenter la superficie des terrains bonifiés dans cette région. Et c'est justement ce qu'on fait maintenant. On a commencé à cultiver des produits stratégiques, blé et autres, et ça continue. Donc cette fois-ci, il suivait. Ce qui arrive, il a donné des nouvelles directives de, encore une fois, aller plus vite dans la direction de bonification pour augmenter la superficie des terrains à Toshka. En même temps, il ne faut pas oublier tous les projets d'infrastructure, c'est-à-dire les réseaux routiers qui mènent à Toshka, etc., pour faciliter le transport des produits et de la main-d'œuvre. Et quand est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un rendement suffisant de manière à avoir une autosuffisance grâce à Toshka?
Et bon, un rendement raisonnable de Toshka, voilà, ça a commencé, mais je pense que si jamais tout va bien, d'ici 2 ans, nous serons dans un bon état sur le plan Toshka. Mais justement, les projets de bonification prennent lieu partout en Égypte et peut-être ça va aller un peu plus vite vu des conditions un peu plus favorables dans des autres endroits. Mais en principe, les directives visent, comme vous l'avez dit, pour vers l'autosatisfaisance de nos produits stratégiques sur le plan nourriture, etc., etc. Une partie va être visée vers l'exportation, mais je pense que principalement, on veut aboutir à nous suffire, sinon complètement, mais un grand taux. Oui, pour bonifier des terres, on aurait besoin d'eau. Comment peut-on se procurer l'eau d'une manière suffisante? À Toshka particulièrement, il y a l'eau souterraine, et puis il y a encore, à partir de puits, etc., et de pompes, mais il y a aussi le Nil, le surplus du déluge, etc. Ça se dirige vers la Toshka, mais en principe, et c'est ça encore des directives qui ont été données par le président pour justement rationaliser les modernes, je veux dire, les modernes systèmes d'irrigation pour économiser le plus d'eau possible. Et maintenant, on utilise là-bas les pivots, les gouttes à gouttes, etc. Ceux qui utilisent un petit pourcentage de l'eau qui est normalement utilisée dans les autres systèmes d'irrigation. Donc, c'est très important de rationaliser les méthodes d'irrigation et de consommer le moins possible sur le plan eau pour cultiver encore plus et plus de terres bonifiées. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous poursuivons notre rencontre dans Midi au Caire avec ce compte rendu concernant le chef du gouvernement, Docteur Mustapha Madbouly, qui a effectué une tournée d'inspection dans la ville de Wadi al-Natroun, au gouvernorat de Béhira, pour suivre de près les projets de l'initiative présidentielle baptisée Vie décente, qui vise à aménager et développer la campagne égyptienne. Madbouly était accompagné d'un nombre de ministres et de responsables. Le point. Le chef du gouvernement Mustapha Madbouly a effectué une tournée d'inspection dans la ville de Wadi al-Natroun au gouvernorat de Béhira pour suivre de près les projets de l'initiative présidentielle Vie décente qui vise à aménager et développer la campagne égyptienne. Madbouly était accompagné d'un nombre de ministres et de responsables. Au début de sa visite, le Premier ministre a souligné que cette tournée intervient dans le cadre de l'inspection des projets de l'initiative présidentielle Vie décente dans les divers gouvernorats afin de relancer le travail dans ces projets et offrir une vie décente aux familles malgré tous les défis confrontés par l'État égyptien suite à la crise mondiale actuelle. Mustapha Madbouly a également indiqué que le président Abdel Fattah el-Sissi a donné ses directives pour s'appuyer autant que possible sur les composants locaux dans la mise en œuvre des projets en raison de l'impact des chaînes d'approvisionnement mondial. La première phase de l'initiative présidentielle pour développer les villages égyptiens regroupe centre dans le gouvernorat de Béhira. Au centre de Wadi al-Natroun, M. Madbouly a inspecté le projet d'établissement d'un complexe de services gouvernementaux ainsi que le centre de développement familial et de santé dans le village de Kafr Daoud, en plus du complexe agricole et du centre de la jeunesse. Le Premier ministre s'est rendu sur le site du projet d'établissement du complexe de services gouvernementaux dans le village et a écouté les explications concernant le complexe de services qui vise à desservir les habitants du village de Kafr Daoud. Ensuite, il a inspecté le projet du centre de santé familiale et des développements. Dans son allocution prononcée sur le développement des projets nationaux dans le gouvernorat, le gouverneur de Béhira a déclaré que 8868 projets avaient été exécutés à Béhira et ont changé la vie dans le gouvernorat. Il a ajouté que 54 projets dans le domaine du drainage sanitaire sont en cours de construction d'un coût de près de 9 milliards de livres égyptiennes.
Les organes du ministère de l'Intérieur ont poursuivi cette semaine leur campagne sécuritaire au niveau de la République pour faire face au hors-la-loi, aux activités illégales qui impactent l'économie nationale du pays. Les opérations sécuritaires de cette semaine ont inclus les crimes liés au secteur de l'électricité, des fonds publics, des antiquités, des impôts et du trafic routier. Le centre des médias du Conseil des ministres a déclaré que l'Égypte a pu, en mettant en œuvre le programme de réforme économique et en appliquant des politiques financières et monétaires équilibrées, faire face et s'adapter aux défis et aux crises mondiales et trouver des solutions appropriées pour contenir leurs répercussions négatives et réduire leurs effets sur l'économie égyptienne. Ceci est survenu dans un rapport publié par le Centre des médias comprenant des infographes qui mettent la lumière sur le Fonds monétaire international qui s'attend à ce que l'Égypte enregistre le quatrième taux de croissance le plus élevé parmi les économies mondiales les plus importantes en 2023, malgré la baisse des perspectives de croissance de la plupart des économies mondiales. Le rapport a souligné que l'Égypte poursuivait de déployer ses efforts pour améliorer l'environnement de travail et d'investissement, soutenir les secteurs productifs et étendre les initiatives de protection sociale, ce qui permettrait à l'Égypte de devenir un des pays qui ont pu atteindre un taux de croissance élevé et à un moment où la croissance économique mondiale est ralentie. La Banque centrale égyptienne a annoncé que l'afflux de fonds des expatriés égyptiens a grimpé de 2,1% pour l'année fiscale 2021-2022, enregistrant 29,1 milliards de dollars. La CBE a ajouté qu'en revanche, les fonds avaient diminué en mai pour atteindre 2,4 milliards de dollars contre 2,6 milliards en mai 2021. Ces transferts constituent l'une des principales sources de devises étrangères pour l'Égypte, tout avec les exportations, le tourisme et les rendements du canal de Suez. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé lors des échanges d'aujourd'hui, affectés par des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal, EJX30, a chuté de 0,4% au niveau de 9 424 points et les indices secondaires EJX70, EWI et EFX100EWI ont respectivement reculé de 1,4% et 1,1%. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.